Salut tout le monde, c'est Jérémy de la chaîne Chinaddict. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente cet objectif Fujian 35 mm. Donc, c'est celui que vous avez présenté lors de ma vidéo sur comment commander sur AliExpress. Donc, on va voir déjà comment il est arrivé par la poste, combien de temps ça m'a pris pour le recevoir et qu'on va voir un petit peu en détail comment il est fait. Je vous ai fait des photos en utilisant donc les différentes focales, les différents accessoires fournis avec. Donc, on va voir ensemble tout de suite si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Pour rappel, celui-là, je l'ai payé 18 euros sur AliExpress. Alors, lors de la vidéo Comment commander sur AliExpress, j'avais pris pour exemple la commande d'un objectif photo. Donc, j'avais fait la commande le 27 octobre, ça a été expédié le 28, et aujourd'hui on est le 7 novembre, donc en même pas 10 jours, et c'est arrivé chez moi. Donc ça c'est l'adaptateur qui est fourni avec afin de pouvoir l'adapter à mon appareil photo. Donc un Panasonic GX80, donc c'est un appareil micro 4 tiers. Donc ça c'est une bague d'adaptation qui permet en fait de faire de la macro. Comme on le voit, l'emballage n'a pas été abîmé pendant le transport. Voilà, donc il y a une deuxième couche d'emballage autour de l'objectif. Donc c'est plutôt bien. Et un petit sachet pour l'humidité. Donc comme on voit, c'est quand même emballé dans deux, trois emballages différents. On est sur un objectif en métal. Donc, la première chose à voir, c'est de voir si la lentille n'a pas été endommagée pendant le transport ou même à l'usine au moment de sa fabrication. Donc, au premier coup d'œil, la lentille est en bon état. Comme vous le voyez ici, on a la possibilité de choisir l'ouverture, donc entre 1.7 et 16. Et ici, la distance de mise au point, donc de 0,3, donc 30 cm à 4 mètres, puis ensuite sur l'infini. Donc il faudra que je teste si ça fonctionne correctement. En tout cas, il n'y a pas d'accroc, ça tourne facilement, donc ça me permettra par exemple de commencer avec un sujet flou, puis de le rendre net par la suite, ou l'inverse, donc je compte bien l'utiliser aussi pour la présentation de produits, notamment parce que là, on a une ouverture d'1.7. Alors que sur mon objectif actuel, l'ouverture commence à 3.5. Ça devrait me permettre de prendre des photos ou des vidéos dans des conditions de luminosité plus faibles. Titre de comparaison, donc ça c'est un objectif Olympus 40-150, donc qui est quand même beaucoup plus gros. Donc bon, bien entendu, il ne fait pas du tout la même chose, mais ça vous donne une petite idée de comparaison si vous en avez un aussi. Alors juste avant de passer aux photos que j'ai faites et vidéos avec le Fujian 35 mm, je vais juste vous montrer ce que j'ai eu un petit souci avec l'adaptateur donc qui vient se visser entre l'appareil et l'objectif. Donc cet adaptateur est très simple, donc c'est juste une pièce de plastique, je pense, c'est peut-être même pas du métal, pose sur l'appareil en prenant comme repère ce point rouge pour le faire coulisser. Donc ensuite il y a une petite partie ici donc qui permet en fait au petit ressort qui vient s'enclencher d'entrer dedans. Et donc quand je l'ai mis la première fois, ça m'indiquait que le ressort n'était pas complètement désenclenché et que du coup ça ne fonctionnait pas. En regardant de plus près, j'ai vu que le trou qui est ici en fait ne permettait pas au ressort d'entrer correctement. Donc en fait j'ai dû percer légèrement le trou. Voilà, donc juste ici. Donc pour élargir le trou et l'enfoncer légèrement. Donc si jamais ça vous arrive, c'est peut-être ce souci-là aussi. Voilà, donc habituellement c'est comme ça. Donc là c'est sur un objectif Olympus de meilleure qualité quand même. Donc on voit que le trou est plus profond que ce qu'il était sur cet adaptateur. Voilà, donc ça peut être le souci que vous pouvez rencontrer. Donc si vous avez un message d'erreur indiquant que l'objectif est mal enclenché, ça peut venir de là. Voilà, donc on passe aux photos. Voilà, donc comme on vient de le voir, c'est un objectif qui coûte vraiment pas cher. Il est en métal, ça a l'air solide, et pour le prix, je pense que ça vaut vraiment le coup de l'ajouter à son panel d'objectifs si on n'en a pas d'autres de ce type-là. Comme vous avez pu le voir dans les photos macro, pour moi, le résultat vaut le coup par rapport au prix de l'objectif, bien sûr, sachant qu'un objectif macro exprès pour ça coûte des centaines d'euros, voire plus. Donc,
Pour quelqu'un qui n'est pas forcément exigeant ou qui débute comme moi, ça permet vraiment de se faire la main et de se forcer à utiliser aussi un objectif manuel, ce qui est assez bien parce que du coup ça nous fait penser différemment et on laisse un peu de côté l'autofocus. Donc c'est vraiment un achat que je recommande. Donc si vous avez des questions sur l'objectif, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au mieux ou si vous voulez certains types de photos qui peuvent vous aider à choisir. Donc je vais bientôt recevoir un autre objectif chinois, donc cette fois de la marque Seven Artisan ou 7 Artisan en français. Donc cette fois, ça sera un 25 mm 1.8 si je ne me trompe pas. Donc je devrais le recevoir dans les jours qui suivent et on fera à peu près le même type de vidéo. Et puis on se voit bientôt sur la chaîne.